On ne peut pas tolérer que des violences existent dans le monde du handball et toutes les autres formes de violences non plus. L'idée, c'était, dans un premier temps, de communiquer sur c'est quoi le plan de prévention de lutte contre toutes les formes de violence, quel est notre objectif, et de présenter le slogan, les affiches, telles qu'on les avait imaginées. Une affiche qui a été distribuée à tous les clubs, également un clip vidéo qui a été présenté, avec un slogan, tous unis contre les violences. Il faut absolument protéger nos victimes, parce qu'il y en a, et les accompagner. Pour déployer le plan de lutte contre toutes les formes de violence de la Fédération française de handball, on a essayé d'associer toutes les forces possibles. Et l'Agence nationale du sport nous a été également d'une aide. Et le projet sportif fédéral a inclus dans sa note d'orientation une ligne sur la lutte contre toutes les formes de violence. Certains clubs ont été aidés pour déployer localement des actions qui ont été financées en partie par l'Agence nationale du sport. Aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que l'ensemble de la Fédération française de handball a pris la mesure de l'importance de ce sujet, à la fois tant numériquement qu'humainement parlant. Pour moi, en tant que femme, en tant que sociologue du sport qui travaille sur ces sujets-là, c'est, je pense, une des plus belles victoires.